L'histoire de la BFM a commencé il y a un peu plus que 22-23 ans, quelque chose comme ça. Une fois, j'ai acheté un livre où il y avait écrit « Comment faire de la bière à la maison ». Alors j'ai commencé à faire de la bière à la maison, je me suis intéressé à en faire un peu plus et j'ai gagné un prix, un concours de télévision à la Suisse romande. Le rêve de vos 20 ans. Alors 20 ans après, on a fait un autre rêve, c'était faire la nouvelle usine. Mais ça a commencé un peu comme ça, quoi, par une petite impulse d'un prix gagné à la télévision. Nous sommes ici dans la deuxième brasserie qu'on a, qui nous permet d'augmenter la production, la mise en service durant l'année. Et on fait toutes les bières classiques et notamment ce qui est mis en bouteille. Dans l'ancienne brasserie, maintenant on fait tout ce qui est accueil, visite, concert et la production de bières spéciales, notamment celles qui sont affinées en barrique. Puis ici, c'est plutôt les brasseurs qui eux, viennent plutôt de différents pays comme Allemagne, États-Unis ou Écosse qui y travaillent. Mais en tout, on est environ 30 collaborateurs avec notre chat, très important. Alors, on se trouve ici dans le bar de la brasserie, donc c'est ici qu'on accueille nos groupes de visite, c'est ici qu'on fait nos événements, tous nos concerts, et puis le but, ce serait de pouvoir faire un bar plus grand, avec plus de tireuses, peut-être d'autres offres, éventuellement une cuisine, et puis de pouvoir faire une scène un peu plus grande, plus moderne, pour pouvoir accueillir un petit peu mieux nos groupes et nos clients. Alors, je connais la brasserie des Franches-Montagnes depuis un moment parce que à chaque fois que je sortais, je venais boire des bières ici. J'ai toujours trouvé la brasserie très chaleureuse et très sympa. Alors, je n'ai pas hésité une seule seconde à postuler ici pour le travail que je fais, c'est-à-dire collaboratrice administrative. Et ça me plaît beaucoup et c'est vraiment au-dessus de mes attentes. L'ambiance est vraiment sympathique. Alors d'un point de vue touristique, je pense que c'est d'abord une question de notoriété. La bière des Franches-Montagnes est connue loin à la ronde et ça participe donc à la notoriété des Franches-Montagnes mais du Jura dans l'ensemble. Et aussi, beaucoup de groupes font la demande de visiter la brasserie des Franches-Montagnes. Ça nous permet de la combiner avec d'autres produits, mais aussi d'avoir des activités en hiver ou quand il pleut, chose qui est normalement plus compliquée dans la région. Je m'appelle Amandine Schneider, je m'habite au Breleu, ça a à peu près 10 minutes d'ici. Je viens tous les vendredis avec mes collègues faire l'apéro. C'est un lieu un peu de rencontre, donc c'est vrai que c'est pas mal pour faire connaissance et puis mieux apprendre les gens parce que l'apéro, on a plus tendance à se décontracter, donc c'est un peu mieux pour faire connaissance. Mon idée, c'est dans les 5 ou 10 prochaines années, imposer une espèce de brasserie régionale qu'on retrouve un peu partout en Suisse romande.